Et oui, Jacques, à la deuxième mi-temps, qui va reprendre. Donc, Et du retour des vestiaires, où apparemment les consignes ont été de quand même maîtriser un peu plus de buts de pied droit. Oui, toujours à 0 Frozen. Nous repartons sur le corner directement pour Frozen, directement à l'attaque. Alors que Ludovic a tiré le corner. Oui, oui, les consignes apparemment sur les corners ont été tendues de la surface. Beaucoup de blancs, beaucoup de blancs, ça bouge, attention le combat. Oh là là, la première qualifique et ça redégage. Oh là là, ça repart, c'est dégueulé. Oh là là, ça dégage. Oh là là, un peu de panique, panique, panique. Et ça repart sur le côté pour Yacine. Yacine qui centre. Ouh, l'impact est physique. Encore Ludovic là. Les petits pas de Sampané. J'ai des nouvelles apparemment de l'envoyé spécial là. Céline. Oh, Juju est pas bien apparemment. Oui, Juju apparemment des. Il y a un petit claquage, hein. Je pense qu'il va être en HS toute la semaine. Ouh là, ça déborde. Ouh. Alors, c'est reparti. Dans mon bâton. 100 000 à l'heure. Oui, Ozil qui récupère la balle, Bastanovic qui essaie de trouver Korosine qui prend la balle, qui la donne de suite. Attention, les Frugidois ne sont pas en place, attention, on n'est pas en place sur le coup. Oh la réduction du score, mais où allons-nous? Attention, on risque de subir la bronca de Ozieloise. Bastanovic qui essaie de trouver de suite sur le coin là-bas dans le fond. Alors que la caméra joue à plusieurs frères, hein, sur le terrain. Ouh. Attention, un gros momo dans les buts qui intervient. Une grosse relance à la main de suite pour Alex. Alex qui perd la balle. Que fait-il? Il temporise, il perd la balle. Pourquoi la tape pas donnée de suite? Gagne sa petite touche quand même. Hein. Allez, il faut repartir dans l'avant. Et serrer les rangs, les petits Frousinois. On sent de l'intention sur le banc de touche. L'entraîneur se fait de plus en plus entendre. Alors qu'il ne passe en retrait tranquille pour Momo. Alors son dégagement. Serein sur son dégagement. Oula là, dégagement loupé dans le centre du terrain. Récupéré par le grand Fredo, la tour de contrôle. Attention, duel aérien. Duel aérien. C'est passé. Attention, Benchamac. Benchamac sur le côté. Il a levé la tête. Oh là là, dommage. Deux personnes sur au centre. Bref, bon, enfin. Ludo, allez, c'est reparti pour Ozil. Ozil qui se fait de plus en plus dangereux. Oh là, le corner pour le truc. La tête. Oh là 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 là. Nous étions pas loin du 3 partout. Enfin, 1 par 3, 1. Ah bon, bref. Hein? Bon. Et Yacine qui repère la balle, alors que Momo va tirer tranquillement. Encore un défi physique devant pour Mathieu qui se fait de plus en plus lourd. Mathieu qui pèse sur la défense, Georges. Oui, mais j'ai un peu peur de cette équipe de Ziel qui me paraît pousse, de plus en plus pousse, pressante. Ça pousse, hein. Depuis leur premier but, là, ça pousse. Hein. Alors qu'une vile faute vient d'être commise. Oui, vous pouvez oui, monsieur Darby, vous pouvez quand même sortir la petite biscotte. Hein. Oui, c'est ça. Alors que Ozil pousse de plus en plus. Bastanovic qui écarte. Oh là 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 là, la tour Montparnasse derrière est vraiment, vraiment présente. Notre ami Fredo. Oui, tout à fait, Georges, c'est... On sent un gros gros Frédéric en canne, hein. Attention. Ludovic qui tricote. L'arbitre a sifflé une petite faute, un coup franc, ma foi, Jacques, très intéressant. Oui, tout à fait, attention. Regardons ça de plus près. Ludo qui prend son temps pour frapper. Il va falloir mettre de la conviction, hein. Il faut la cadrer. Attention. Restons attentionnés, monsieur l'arbitre. Il faut. Ouh, dans la galache. Attention, la relance au pied du gardien. Ou sur le côté. Attention, ça repart côté au Benchamac qui fait l'effort, bien joué. Benchamac qui a fait l'effort. Ça a payé, le pressing a payé. Et oui, alors une grosse relance. Mais je sens vraiment l'équipe auxéloise qui peut revenir au score. Est-ce que Frouzès va-t-il tenir le choc contre cette équipe qui pousse, cette équipe locale, hein, qui pousse. Hein. Et oui, alors que la possession de balle est passée vraiment. Ouh là 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 là, y a-t-il pénalty? Limite pénalty, monsieur l'arbitre qui ne bronche pas. Attention, coup franc dangereux. Alors regardez bien coup franc dangereux. Benchamac qui se met sur le côté, mais que fait-il? Pourquoi se met-il sur le côté? Ouh, il se cache mais derrière. Mais comment se moquer de l'équipe adverse en faisant des coups francs pareils? C'est honteux. Sortez-le, monsieur l'arbitre. Oh là 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 là. Il n'y croit pas, Benchamac, il n'y croit pas sur le coup. Il faut y croire, mon petit. Jacques, nous avons vu un geste, ma foi, à la limite du concevable. Hein, oui, c'est vrai.
Oh, Yasu qui tripote, Yasu qui garde la balle et qui perd la balle. Oh là 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 là. Yasu qui tricote. Jacques, tu vas te faire égarer, Jacques, attention. Pardon, excusez-moi. Il se fait tard. Oui, oulala, attention. Attention. Benchamac, oulala. Oh, mais pourquoi ne peut pas tirer droit alors qu'arrive-t-il au caméraman? Oh, ma batte. Mais que se passe-t-il? Oui, c'est moi, je suis dans les vestiaires. Ah bon? Mais où êtes-vous? Quel niveau du vestiaire? Voilà, c'est la folie ici, hein. Fouzès a gagné, c'est formidable, hein. Une grosse victoire de Fouzès 2. Je pense que les sanctions vont tomber, apparemment. Les sanctions vont tomber, hein. Ah oui, il paraît. Oula! Benchamac, déjà, sur ses nombreuses occasions ratées. Qui mérite bien. Paye, paye par des pompes. Les 15 pompes, oui. Mathieu Boitillon qui s'exécute. Nous allons compter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais n'aurait-il pas notre joueur qui mériterait des pompes aussi? Ah. Et notre joueur claqué. Claqué avec une poche de glace sous la cuisse. Va s'exécuter quand même, hein. Allez, là, 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 là. Une petite olivade. Une petite olivade de la part du coach. Une équipe quand même soudée qui mérite sa victoire. On sent quand même un état d'esprit assez remarquable pour cette équipe. Hein. Bon Jacques, nous pouvons nous dire au revoir sur ceci. Eh bien écoutez, au revoir Jacques. Au revoir Georges. Et au revoir Sylvie. Oui, au revoir Sylvie.